Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Let's Score, un épisode spécial, le premier de la série. Et oui, parce que il est temps. Il est temps de mettre en œuvre ce que pas mal de gens espéraient voir un jour dans cette série de vidéos, à savoir l'étape de programmation des instruments virtuels. Parce que j'ai terminé une composition pour un autre projet, mais qui me permet justement de faire cette vidéo-là sur un Let's Score en fait. Pour introduire un petit peu cette composition-là, c'est une composition que j'ai faite pour une série de vidéos, là encore, où j'ai mis en musique une scène d'un même film, enfin une même scène d'un film, dans des styles de films différents, en fait. Là, bah, c'est la composition pour le style dragon. Théoriquement, un épisode de Let's Score se termine là-dessus, avec des sons, les sons de Melody Assistant, qui est un éditeur de partitions qui me permet d'écrire ces partitions. Si vous suivez, vous savez comment ça marche. Donc, ça ressemble à ça. Pas qu'il soit nécessaire de tout montrer, ça va être un petit peu long, mais c'est pour vous remettre un petit peu en tête le genre de son que c'est. Et bah maintenant, c'est parti pour expliquer un truc que j'ai jamais montré à l'écran, c'est comment on passe de ces sons-là à des sons plus réalistes. Alors, c'est parti pour le disclaimer. Parce qu'évidemment, il est important de préciser que je ne suis pas l'expert de cette étape. Je suis déjà pas l'expert de la composition, hein, mais ça j'espère que c'est pas obligé de le redire à chaque fois. Mais par contre, l'étape de production et donc de programmation des instruments virtuels, bah, c'est pas un truc que je maîtrise. Mais je le fais quand même parce que ça a été demandé par des gens, et que d'après mes quelques années d'expérience, j'ai quand même appris des trucs, donc je pense que je peux partager à des gens, mais vous serez sûrement nombreux, nombreuses à me dire que bah, y a plein de trucs que je pourrais améliorer, et justement d'ailleurs, ça serait génial si certains pouvaient me dire ce que je pourrais faire concrètement de mieux pour que ça soit encore plus réaliste. Voilà, tout simplement. Et alors, j'en profite aussi pour préciser un truc. J'ai lu des conseils sur comment humaniser une composition, notamment jouer sur la vélocité, rendre les vélocités de chaque note aléatoires, rendre aléatoires aussi les positions des notes pour les décaler un petit peu, pour pas que ça soit trop carré. Tout ce genre de trucs pour humaniser, je l'ai testé, je l'ai pratiqué, et c'est pas ça qui pose vraiment problème dans le rendu réaliste de mes compos. C'est pas non plus en prenant des nouvelles banques de sons, parce que là je vais vous montrer ce que j'utilise, c'est la série des Hollywood Strings, Winds, Brass, etc. Les Cineperc pour les percussions, la série des Berlin, c'est excellent comme banque, franchement, et puis même BBC Symphonic Orchestra de Spitfire Audio. C'est pas des banques de merde, quoi, donc c'est pas là d'où vient mon problème. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires. Voilà, et bah on y va pour la première étape, c'est-à-dire le passage en format MIDI. Alors comme ça me permettra d'expliquer ce que c'est concrètement le MIDI, parce que les non-musiciens ne sont peut-être pas au courant exactement de ce à quoi ça correspond. Alors le MIDI, ce ne sont pas des sons pourris, non. Le MIDI, c'est un format de fichier. Donc ce fichier-là, qui est ouvert sur Melody Assistant, je peux l'enregistrer sous le format de Melody Assistant. Mais pour qu'il soit lu par d'autres logiciels, comme par exemple FL Studio, hein, c'est là-dessus que je vais travailler là tout à l'heure, eh bien il faut un format universel, et le format utilisé souvent, c'est le format MIDI.mid. Donc là, je vais tout simplement exporter cette partition, puisque c'est une partition, et bien je vais l'exporter en format MIDI. Et le format MIDI, en fait, ça sera une partition numérique, c'est-à-dire que ça sera lu par plusieurs logiciels audio, et même, par exemple, un lecteur audio comme Windows Media Player, ils vont juste lire cette portée, cette partition, en utilisant leur son interne. C'est pour ça que souvent on se dit que les sons MIDI, c'est des sons pourris, mais le format, c'est une partition numérique. Donc en fait, c'est un fichier qui va simplement dire « Eh ben là, vous avez un trombone qui joue telle note, avec telle hauteur de son, tel rythme. Là, vous avez un piano qui joue tel truc. » Mais voilà, c'est une partition numérique. Donc, j'exporte en .mid. Ça s'exporte très rapidement puisque c'est que de l'information. Il n'y a pas de son, donc c'est pas très lourd. Et puis, bah ça, on peut fermer, mais on va le laisser ouvert. Et là, on se retrouve sur
FL Studio. Alors, FL Studio, c'est un Digital Audio Workstation, donc un logiciel de production audio, production musicale. On peut enregistrer du son, on peut mixer du son déjà enregistré et on peut créer du son à partir d'instruments virtuels. Et c'est ça qu'on va faire, nous, ici. Donc, première étape, on importe notre fichier MIDI. Let's go, programmation, le voilà. Le voilà. Et voilà. Donc là, on a tous nos instruments. Il nous a créé des tracks, des pistes là, avec tous les instruments que j'ai mis dans cette partition-là. Il les lit correctement, et donc je peux avoir le détail de tous ces trucs. Par exemple, la flûte, elle se présente comme ça. Donc comment on lit cette partition sur FL Studio? Bah, en fait, les notes ne ressemblent pas à des noires et des blanches sur une portée, mais à des petites barres, en fait, qui correspondent à la longueur des notes et à leur hauteur. Vous voyez qu'ici, il y a un clavier de piano. Si je lis ce fichier, je ne sais pas s'il va nous proposer des sons, mais on va voir qu'on s'en fout. Ok, donc ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a utilisé des sons internes, à mon avis, qui sont déjà présents de base sur FL Studio, et il a fait jouer chaque instru par ses sons à lui. Mais c'est pas ces sons-là qu'on va utiliser, nous. Non, 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 nous, on va utiliser d'autres sons. Donc, la deuxième étape, une fois qu'on a chargé notre fichier MIDI, c'est de choisir nos instruments virtuels qui vont jouer ces instruments-là. On peut utiliser dans plusieurs banques de sons. Moi, par exemple, j'ai plusieurs banques de sons qui me proposent des sons de trompette. Alors, je vais utiliser... Alors, je sais pas encore trop ce que je vais faire, et souvent, je peux changer d'instrument quand je vois que ça marche pas. Et donc, la première étape, c'est de décider de nos sons. Donc, je vais utiliser des banques de sons qui marchent sous Kontakt. Kontakt, je sais pas si je vais bien le présenter, mais en gros, c'est un logiciel qui permet de gérer différentes banques de sons qu'on peut ouvrir du coup que par Kontakt. Donc moi, je vais sûrement utiliser par exemple des cuivres de la série des Berlin Brass. Et donc quand on l'ouvre, cette banque, eh bien, on a plusieurs trucs. On a des cordes d'harmonie, on a des trompettes, on a des trombones basses, un tuba, voilà, donc les cuivres classiques. Mais quand j'ouvre une des trompettes, eh bien, vous avez vu qu'il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, c'est des différentes articulations, en fait. Je peux décider de charger une trompette qui va avoir des sons legato, c'est-à-dire liés, pour faire des mélodies avec des notes un petit peu longues. Donc ça, c'est pour les notes longues, mais on peut aussi décider de charger une trompette qui va jouer que des notes staccatissimo, c'est-à-dire des notes très très courtes et détachées. Donc ça, c'est très pratique, et ça, c'est clair que je vais l'utiliser, puisque dans ma compo, la Dragon, bah, y a toujours plein de tatatatatatat en trompette. Donc ça va être l'articulation parfaite, mais on a aussi besoin de notes longues. Et après, il y a d'autres trucs, marcato. Vous voyez que la note s'arrête en cloche. Voilà, ça peut être pratique pour essayer de rendre nos phrases mélodiques plus réaliste que si on utilisait que les gâteaux. Donc je vais vous montrer, pas plus tard que maintenant d'ailleurs, à quoi ça va ressembler. Si on n'utilisait pas différentes articulations. Je prends ma piste de trompette. Là voilà. Là voilà. Donc ça, c'est ce que joue les trompettes, il y en a même deux. Et je vais la copier-coller tout simplement, CTRL-C, sur ma track de trompette que je viens de faire. Vous entendez un truc, vous? Et pourtant, il y a du son. Oui, il y a du son, mais vu qu'on a plein de paramètres à bouger, en fait, eh bien là, par exemple, le mode wheel, qui est le paramètre d'expressivité classique dans toutes les banques de son, quasiment, eh bien, est au minimum. Donc, on va pouvoir le bouger. Et ça se fait ici, là, sur cette petite fenêtre, où je peux créer des courbes. Et donc, en gros, quand la courbe est basse, la trompette va avoir une expression très piano. Mais quand la courbe va augmenter, on va aller sur des nuances plus fortées. Et donc les banques de sons, qui sont bien faites, normalement, gèrent complètement ça. Est-ce que ça change quelque chose? Voilà, je mets tout à fond, et bon, vous voyez que c'est pas très réaliste. Cette articulation-là va pouvoir coller sur certaines notes, mais pas sur toutes. Donc les notes les plus courtes, on va plutôt les faire jouer par des staccato. Et il va falloir jongler là-dessus. Par exemple, cette partie-là, là, où on a des notes, typiquement des notes très courtes. Eh bien, on va voir ce que ça donne si je mets sur les staccato. Je refais l'autre version, là, en legato. Clairement,
Ça ne marche pas. Ça sonne comme le thème du Wakanda dans Black Panther. Ok, donc là, vous avez le principe. Donc là, je vais couper. Et puis, je vais m'amuser à copier-coller toutes les portées de chaque instrument dans différents instruments virtuels avec différentes articulations que j'aurais chargées. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc je viens de choisir mes banques de sons, enfin mes instruments virtuels, je les ai chargés et j'ai fini l'étape du copier-coller. Donc j'ai copié les notes du fichier MIDI vers chaque instrument virtuel que j'ai chargé. J'ai terminé de mettre en place les percussions aux bons endroits pour que les notes touchent vraiment des notes qui jouent quelque chose. Hein, voilà, par exemple, ça c'est une note. Sinon, je vais vous faire écouter pour que vous vous rendiez compte à quel point ce n'est pas fini le travail. Ça c'est très mécanique, hein. Après le reste, c'est vraiment de la minutie pour chaque élément, hein. On va en parler. C'est pour ça que là, pour l'instant, tout est à fond. Enfin, j'ai mis tous les poutres à fond pour qu'on entende bien tout. Enfin, et encore, vous verrez, on n'entendra pas tout. Et pour chaque instrument, vous avez toutes les articulations qui jouent la même chose ensemble. Par exemple, pour les corps... les corps legato jouent la même chose que les corps staccato, que les corps marcato par exemple, tout est mi. Donc l'étape suivante, ça va être justement de faire jouer certaines notes par des staccato et certaines autres par des legato et par les marcato pour avoir des phrases musicales plus réalistes. Donc voilà déjà le résultat brut. C'est parti! Bon, évidemment, il manque un coup de cymbale à la fin, c'est dommage. Bon, je vais rectifier ça. Si vous m'avez vu sourire, c'est parce que c'est la première fois que j'entends avec ces sons-là, et du coup, c'est vrai que ça fait plaisir, parce que je bosse dessus depuis pas mal de mois. Mais ce n'est pas terminé, et je me rends compte que ça peut claquer si je m'en sors quand même pas mal. Bon, comme je l'ai dit, étape suivante, ça va être de répartir chaque note de chaque instrument sur les articulations qui conviennent. On verra ça la prochaine fois, parce que là, j'ai quand même pas mal taffé pour aujourd'hui. Mine de rien, vous n'avez pas vu, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc je coupe, et je vous dis à tout de suite. Bon, alors, on est 2 jours plus tard, et je m'y remets, voilà. Donc, c'est parti, là. Je commence par le piccolo et un des trucs que je vois, c'est que je vous fais écouter, juste regardez, juste le piccolo. Donc qu'est-ce qui se passe? Au début, c'est quand on n'a pas son, on cherche toujours à savoir pourquoi. Là, c'est parce que la tessiture ici du piccolo est trop grave. Donc ça, c'est des trucs dont je ne me rends pas forcément compte parce que je ne suis pas un expert de composition encore. Et donc, y a des fois, il faut réorchestrer. Là, en l'occurrence, je vais monter d'une octave cette partie-là et ça devrait déjà mieux aller. Ensuite, deuxième chose aussi qu'il faut faire souvent sur pas mal de banques de sons, c'est étirer un tout petit peu les notes. Je vous montre comme ça. Pour qu'elle se chevauche légèrement, pour que le legato, c'est-à-dire le lien entre les différentes notes, soit plus réaliste. On va voir si ça marche un petit peu mieux. Donc faut ajuster, après ça marche un petit peu moins bien sur les parties rapides de notes. Autre chose que je peux essayer de faire, et c'est toujours des phases de test en fait, mais ce que je peux essayer de faire, c'est voir si ces trois notes-là, il ne serait pas plus intéressant de les faire jouer par des... les articulations staccato de piccolo. Et donc, c'est ce qu'on peut tester tout de suite, puisque avec BBC Symphonic Orchestra, on a, en chargeant le piccolo, on peut utiliser plusieurs articulations. Par exemple, là, je peux décider de le faire jouer en trille. Moi, ce qui m'intéresse, ce sera plutôt les staccatissimo. Alors comment on switch d'une articulation à l'autre? Très souvent c'est par key switch, c'est-à-dire que sur le clavier de piano, certaines touches du clavier ne déterminent pas certaines notes, mais vont déterminer quelle articulation on utilise. Donc pour les staccatissimo, apparemment c'est le mi 1 du clavier. Si je veux rester en legato, il faudra que j'indique la touche do.
Bien évidemment, ce serait trop facile si c'était exactement les mêmes numéros. Sur le piano roll de FL Studio, bah, le C1 du BBC, lui, il appelle ça le C0. Bon, bah faut toujours tâtonner, hein, surtout que la banque de son, je l'ai depuis pas très longtemps. Et je switch, justement, comme son nom l'indique, entre legato et staccato au moment où je le veux. Là, par exemple, je veux retourner en legato, etc. Alors, ma méthode va peut-être en choquer beaucoup, je le sais, mais je n'ai pas de clavier MIDI pour pouvoir le faire directement en appuyant moi-même. Du coup, ça me prend plus de temps. Voilà, on aime. Donc voici le après, du coup, sur cette petite phrase musicale, une fois que c'est fait. Donc, y a moyen que je rechange toujours ça, surtout quand on regarde avec le mix final. Mais globalement, pour l'instant, je vais m'arrêter là pour le piccolo. Enfin, pour cette partie-là, je vais évidemment continuer le reste de la partition. Et ça, pour tous les instruments. Et je pense pas qu'il soit judicieux de tout vous montrer. Voilà. Alors, petit détail technique. Là, j'ai fini le piccolo, je suis passé à la flûte. Et là, je me rends compte d'un truc, c'est qu'on peut faire bouger un autre paramètre qui est le vibrato. Alors, la flûte, j'ai choisi encore celle de BBC Symphonic Orchestra. Et donc là, vous voyez que, bon, il y a plusieurs paramètres qu'on peut faire varier. J'en parlerai sûrement tout à l'heure, ça, c'est l'expression. Mais on en a aussi d'autres ici. Mais ce qui va être intéressant sur certains instruments, c'est le vibrato. Et on peut le faire en automation, c'est-à-dire qu'on peut le faire à l'endroit qu'on veut dans la musique. Hein. Par exemple, là, justement, ces notes-là. Là, c'est sans vibrato, ça fait ça. Très souvent, les musiciens, quand ils rajoutent de l'expression, ils vont se mettre à faire une note vibrato vers la... Quand une note est tenue longtemps, ça se voit très souvent sur les cordes et puis aussi sur les vents. Donc là, j'ai choisi le contrôle vibrato, flûte. Et je choisis d'augmenter le vibrato à mesure que la note progresse. Et donc ça nous fait un truc comme ça maintenant. On l'entend bien sur la fin. Et ça, par exemple, ça donne plus de personnalité et d'humanité au jeu des instruments virtuels. Et on peut le faire aussi avec les cordes. Et en fait, avec toutes les banques de sons qui nous le permettent. Parce qu'elles ne le peuvent pas forcément toutes. Alors, il y a un autre paramètre, un des plus importants, qu'on peut faire varier. C'est la nuance de jeu des instruments. Donc, toute banque de sons digne de ce nom peut offrir la possibilité de contrôler la nuance de jeu de chaque note. Et on peut le contrôler grâce à une courbe. Donc, je vais choisir le contrôle sur mes violons de BBC Symphonic Orchestra. Et donc, là, vous avez une courbe que je peux faire varier à loisir. Qu'est-ce que ça donne si elle est plate déjà pour commencer ? Vous avez peut-être remarqué déjà que certaines notes sont jouées legato, d'autres sont jouées en staccato ou spiccato. On va essayer de rajouter un petit peu d'expressivité à tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est la nuance de jeu ? Et bah, concrètement, c'est si une note va être jouée fort ou pas fort. Et ce n'est pas juste une question de volume, en fait, parce que quand on joue... Je sais pas, prenez une trompette, je vais vous montrer avec la trompette tout à l'heure. Une trompette qui joue une note piano, ça va être un son différent de la même note qui va être jouée en forte. Si je fais jouer cette trompette très doucement en piano, elle ressemble à ça. Donc oui, c'est pas très fort, mais c'est surtout le son qui est déjà, enfin, qui est plus doux que la même note qui va être jouée en fortissimo. Donc là, j'augmente la courbe, donc elle va jouer plus fort que ça. Il est plus agressif, il est plus rugueux ce son. C'est notable dans les cuivres, mais au final, tous les instruments ne sonnent pas pareil quand ils sont joués pas fort ou fort. Le piano, c'est pareil, etc. Et donc, toute la subtilité va être de modifier cette courbe pour que l'ensemble soit plus expressif, plus réaliste, puisque c'est rare qu'on écrive toute une partition d'orchestre avec la même nuance de jeu pour chaque instrument, c'est plat, du coup sans relief, sans contraste, alors qu'avec des nuances qui varient, et même au sein d'une même note, et c'est ça qui est cool. Et ben, on a déjà un petit peu plus de réalisme dans l'ensemble. Donc, je vais faire ce truc-là sur la partie de violon que je vous ai fait écouter, et puis on va voir si ça va beaucoup changer. J'ai aussi vu qu'on pouvait changer l'attaque des notes, j'ai l'impression que c'est ça, grâce à cet autre contrôle qui s'appelle vélocité. Du coup, là, en fait, je peux choisir, même dans les notes legato, de donner une attaque forte ou pas forte, pour plus ou moins lier les notes entre elles, pour que les phrases musicales soient les plus expressives et les plus réalistes possibles. Bref, voici le résultat, après tous ces petits arrangements sur cette petite partie.
Alors à l'origine, j'avais pas mis le BBC, mais j'avais d'autres violons, et du coup, j'ai complété avec BBC parce que les faiblesses d'une banque de sons peuvent être compensées par d'autres banques de sons. Donc en mixant deux, ça peut permettre de donner un meilleur rendu en fait. Voilà, là il y a du Berlin Strings, donc c'est pas trop mal, je trouve. Après, vous allez très certainement dire, bah non, ça sonne pas du tout réaliste, et c'est là que les connaisseurs peuvent intervenir pour me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux. Bon, c'était qu'une toute petite partie. Alors, je vais finir un petit peu de gérer cette fameuse courbe d'expression, de dynamique pour tous les autres instruments, parce que j'ai pas encore tout fait. Et puis, ensuite, je vous ferai écouter ce que ça donnera dans l'ensemble, mais vous allez voir que c'est pas encore terminé, puisque après, il y aura la phase d'affinage, hein, comme un bon fromage de chèvre, où il va falloir gérer en écoutant l'ensemble pour voir si tous les endroits où il y a besoin de retravailler, rendre soit l'ensemble plus réaliste, enfin, telle note ou tel instrument plus réaliste, ou alors gérer les nuances pour qu'on entende mieux, je sais pas, la trompette ou le machin, etc., etc. Et après, il y aura le mixage à proprement parler, mais là, je vais pas trop le détailler, déjà que je suis pas expert de cette partie, je suis encore moins expert de la partie de mixage. Mais bon, ça sera déjà pas mal niveau info, je pense. Mixage terminé, enfin à peu près terminé. Déjà, je suis pas expert du truc, et puis en plus de ça, en général, les jours qui suivent, je réécoute le truc et j'arrange 2-3 trucs. Donc, c'est terminé entre guillemets, et je vais pas vous le faire écouter ici, hein, la version finale. Je vous invite évidemment à la découvrir dans la vidéo qui est dédiée, dont le lien est dans la description et qui s'articule autour d'un projet où je compose une musique pour la même scène et dans différents styles. Je vous laisse découvrir ça, tout est en description. J'espère que la vidéo sur cette programmation des instruments virtuels en aura aidé certains. Et j'espère aussi que d'autres m'apporteront des conseils constructifs pour que j'améliore un petit peu mon rendu. Ça me fera progresser dans ma carrière de compositeur, n'est-ce pas? Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que vous avez appris des trucs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!